Je viens couvrir cet espace du sang de Jésus. Je demande la présence de la Vierge Marie. Je viens isoler de votre énergie toute mauvaise personne, toute entité négative, tout trou dans lequel on vous a déposé. Connectez-vous, on va bientôt faire la prière. Voilà. Éternel des armées, je te confie chaque famille qui est représentée ici. Chaque personne, chaque parole, chaque nom qu'on va prononcer ici. Voilà. Je demande la paix. La paix sur vous, la paix sur votre, sur vos projets. Comme j'allume cette bougie, Père, je viens bénir toutes les personnes qui vont s'arrêter pour prier ici. Père, je demande l'ouverture de leurs portes dans tous les domaines de leur vie. Qu'ils reçoivent, que Rodolphe reçoive l'indépendance financière. Père très saint,
fumeillons, que tu ouvres les portes de sa vie. Que Bijou ait la paix intérieure. Qu'aucune prière ici ne parte non répondue. La stabilité financière sur Rebecca. Je déclare sur Laurette que tu lui accordes la régularisation et la restauration de son commerce. Sur Ibrahim, Jamil Ibrahim, je déclare qu'il ait la chance pour devenir riche cette année. Je déclare sur Véronique qu'elle est délivrée de toutes les persécutions. Je déclare que Marie est visitée. Marie-Josée, que la Vierge Marie te visite. Je libère la famille de Larissa de tous les blocages. Maman Marie, que tu intercèdes pour nous. Merveille, que ton désir d'enlever le voile sur ton visage soit accordé. Rabia, que tu reçoives la stabilité pour ton mariage, que ton étoile soit restaurée. Je déclare sur toi, Lynn Compressor, que tu reçoives un bon mari. Daniel, tu veux que le Seigneur exauce tous tes vœux, qu'elle veut. Reçois l'exaucement de ses vœux. Que la Vierge Marie te localise. Réunion pour la famille de Vanessa au Canada. Et recevez les visas. Adeline, que tes enfants soient protégés. Que ton projet de construction soit, se passe bien. On enlève l'esprit de rejet sur Rodolphe. Reçois la force pour sortir de cette relation toxique. Tout manque de confiance en toi, toute énergie dont tu manques, que reçois l'énergie appropriée. Reçois l'énergie appropriée pour sortir de cette relation. Toute personne qui vous utilise. Félix, reçois la force que tout fardeau que tu portais, tu en sois libéré. Karine, reçois le soulagement, que tout blocage que tu avais soit enlevé. Pina, reçois la stabilité financière pour toi et ton mari. Juliette, que ta procédure de voyage soit accordée. Jean-Baptiste, que ton visa pour le Canada, reçois ton visa pour le Canada. Vanessa, que tu puisses solder tes dettes. Reçois l'argent en abondance pour vivre dans l'abondance. Aude, que tu sois débloqué. Christy, que tu puisses prendre tes projets, tu les amènes jusqu'au bout. Je te délivre de tout esprit de non-accomplissement. Ruffine, que tu trouves le travail et que tu sois bien payé. Sandrine, que tu trouves un travail bien rémunéré. Audrey-Go, que maman Marie intercède pour toi, même comme tu n'as pas dit pourquoi. Reçois, Christelle, la santé et que ta famille soit réunie. Nathalie, reçois les portes de ton mariage ouvertes, l'ouverture des portes de mariage. Recevez l'augmentation de salaire. Ta soeur est malade, ça veut dire quoi? On vous demande de dites exactement ce que vous voulez. Comment vous ne connaissez pas prier, non? Ta soeur est malade, oui. Ok, on a compris. Et quoi? Voilà. Reçois l'activation de tes dons. Élise, que ta petite soeur trouve la santé. Et que vous ayez les moyens financiers pour vous en occuper. Reçois la stabilité dans ton cœur, Agbor. Que la paresse, tu sois libéré de la paresse. Tout esprit de lourdeur et de paresse, tu en sois libéré, Cynthia. Cobison, que tu reçoives l'abondance. Je vous libère de tout esprit d'endettement. Recevez la santé. Que toute personne qui te doit te rembourse, Agnès. Stéphanie, que tu puisses enfanter. Laure, que tout ce qui t'a été volé te soit restitué. Aïssa, que tu prononces la guérison sur toi de la tête aux pieds. Fabiola, que ton activité prospère. Olga, que tu trouves un bon emploi bien rémunéré au-dessus de tes attentes. Bala, que tu obtiens la grâce du mariage. Il vient couper la tête de tout Goliath dans votre vie. Tout ennemi à votre destinée. Gabriel, que tu aies le client, que tu aies un bon marché. Herminia, que tu reçoives la restauration.
de toutes choses dans ton visa, que ton mari aussi trouve un bon emploi. Recevez la restauration de vos finances. Reçois l'ouverture de ta boutique et que ça puisse fonctionner. Reçois les clients en abondance. Reçois une santé de fer, bibiche, et beaucoup d'argent aussi. Toute personne qui est à côté de vous, dont vous vous occupez, qui vidait vos finances, recevez maintenant assez d'argent et que cette personne quitte de vous. Toute personne qui était comme une sangsue financière, je vous en libère. Reçois ton travail passé. Un bon travail. Mireille, que tes projets soient réalisés. Reçois la libération, Marie-Lady Céleste, que tu ne sois plus persécutée. Je vous libère de tout fardeau, toute flèche qu'on a envoyée sur vous. Stéphanie, que tu reçoives tes papiers. Que tu reçoives l'indépendance financière, Karine. Reçois ta bourse d'études, Kim. Nous nous accordons et je brûle maintenant tout ennemi qui est dans votre corps, tout serpent, tout scorpion. Nous écrasons. Je déclare sur vous la restauration qu'on accorde ta carte de séjour, Safia. Que tu trouves un bon boulot afin de t'occuper de ta famille, Émilie. Je déclare que vous n'aurez plus honte financièrement. Que tu aies un bon commerce. Je libère votre famille, je vous libère vous-même de tout ce que l'ennemi a mis pour vous bloquer. Natou, que tu reçoives le mariage avec un bon mari. Reçois l'abondance financière, Adi. Restauration de tes finances, Zouli. Toute prière que vous avez émise, tout ce que vous avez demandé à Dieu, et ça venait après, ça s'est arrêté en route. Je restaure cela. Reçois la discipline, grâce, et les bonnes connaissances. J'appelle à vous les bonnes personnes qui vont vous aider financièrement. Que vous ne manquiez pas. Et Hervé, reçois un bon travail. Toute femme ici, là, que ton homme ne manque pas de travail. Tout homme ici, là, qui demande le travail, qu'on ne te manque plus de respect parce que tu n'as pas l'argent. Je déclare à les hommes ici, que si c'est une femme qui écoute cette prière, que ton homme ait un bon travail, qu'il soit indépendant financièrement, qu'on ne se moque plus de lui, que tu le respectes. Parce qu'un homme qui subvient aux besoins de sa famille, il est respecté. Je restaure la puissance financière de vous, les hommes, et de vous, votre mari. Que l'honneur de vos hommes soit restauré. Clems, reçois la restauration de ce qui t'a été volé par l'ennemi. Que tout ce qui vous a été volé, ce que vous connaissez et que vous ne connaissez même pas, connu, inconnu, que ça vous soit restauré. Connu et inconnu, que ça vous soit restauré. Que ton visa soit favorisé, Huguette. Que tu réussisses, Seydou. Que ton examen, tu le réussisses. Je te libère de tout blocage. Tout endroit, on a dit que vous n'aurez pas de diplôme. Tout esprit de non-accomplissement dans votre famille, vous en libère. Toute douleur dans le dos. Je restaure votre corps. Huguette, reçois l'ouverture dans tous les aspects de ta vie. Tout voile qui a été mis sur vous, on vient, on toque la porte, après on fuit. On ne t'épouse plus. J'enlève le voile de ta vie. Au nom de Jésus. Je protège vos familles. Que ton mari ne soit pas détourné, que ta femme ne soit pas détournée. Tout envoûtement sur vous. Tu étais bien dans ta relation, après il change d'avis, il change soudainement. Je restaure ce que l'ennemi t'a volé, à travers qui que ce soit. Reçois ta percée financière, Marie. Que le Dieu de Tout-Puissant vous se souvienne de toi, Carole. Seigneur, que tu amènes d'autres personnes pour aider les orphelins et les veuves. Le jus, un Fanta ou jus d'orange, tu verses ça à terre. «
Falmata, que tes projets soient guidés. Tout projet que vous avez mis sur pied, vous avez manqué l'argent. Je déclare que vous êtes connecté à la source intarissable du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des armées. Tout blocage sur vous est enlevé. Je viens adoucir votre foyer. Tout ce qu'on avait mis pour bloquer votre mariage, pour bloquer votre mari, pour mettre la douceur dans le couple, nous enlevons, j'enlève les épines dans votre cœur, dans le cœur de votre mari. Que les prochains jours de votre vie soient des jours d'abondance. Recevez l'argent, que l'argent vous localise. Que l'argent vous localise sans effort. Vous avez déjà fait trop d'efforts depuis dans votre vie. Que tous les efforts que vous avez fait dans le passé là, on appelle ça maintenant que ça parle pour vous. Je vous libère des fardeaux, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Peut-être tu as voulu construire depuis. À chaque fois que tu commences, l'argent finit. Tout projet que tu as commencé, c'était en stand-by. Reçois l'argent pour concrétiser ce projet. J'enlève la honte sur vous. On se moque de toi depuis. Oh, voilà, elle est arrivée en Europe, elle a fait quoi depuis? Cette année, tu vas acheter ton terrain. Cette année, tu vas toller ta maison. Cette année, tu vas construire. Cette année, tu vas te marier. Oh, le bonheur, la joie de ça. Ceux qui sont déjà mariés, accrochez-vous à ceci. Ceux qui ne sont pas encore mariés, accrochez-vous. Je déclare un mariage stable. Un mariage plein d'amour. Je déclare une relation où tu as oublié le mal qu'on t'a fait dans le passé. Je déclare une bénédiction en abondance sur toi et ton mari ou toi et ta femme. Toi qui ne croyais plus, que tu crois à nouveau. Je viens mettre un nouveau portail qui s'ouvre. Quand vous vous rencontrez, que vous êtes prêts, que vous avez mûri chacun l'un l'autre, vous êtes matures. Je déclare une personne, un conjoint, une conjointe qui se soucie de toi, qui t'aime, qui veut ton bonheur. Une personne qui sera doux avec les mots, avec le comportement. Une personne qui va s'inquiéter pour toi. Une personne qui va t'écouter. Une personne qui va te laisser thrive. Thrive, ça veut dire quoi? Prospérer, fleurir, homme comme femme. Je change toutes les mauvaises images de déception dans votre cœur. J'enlève les épines que vous avez reçues dans le cœur. J'enlève ces épines. Toute personne qui vous a fait du mal, mal d'estomac à cause des douleurs amoureuses, j'enlève. Je remets l'espoir. Que tu sois comme une jeune fille de 13 ans qui n'a pas encore été blessée. Que tu croies et que tu t'accroches. Tu n'attireras plus de mauvaises personnes. Tu n'attireras plus de mauvaises femmes. Toute femme qui est venue dans ta vie, qui te contrôlait avec les médicaments, avec les remèdes, qui te contrôlait, qui ne voulait pas que tu avances, qui t'éloignait de ta famille, qui empêchait que tu ne sois heureux. Je te libère maintenant. Il y a des femmes parfois qui viennent dans ta vie et t'attachent. Elles partent. Tu restes, tu ne peux plus être heureux. Elles portent ces choses de ta maison, mais elles laissent encore ses sous-vêtements dans ta maison. C'est comme ça qu'elles t'attachent. Je déclare que tout homme ici-là, même si c'est ton frère, même si c'est ton père, qui est malheureux, qui a été attaché par une femme dans le passé, je libère cet homme. Toute incantation faite sur toi, je t'en délivre à cet instant. Peut-être tu as investi sur ton frère depuis, une femme est venue. Oh, elle tourne la tête de ton frère. Il ne veut même plus travailler. Tout son argent part chez elle. Tout membre de votre famille, frère comme soeur, qui a été envoûté par un homme ou envoûté par une femme, il vous a oublié. Appelez leur nom, pensez à eux. Nous restaurons ce membre de votre famille. Je les retire de tout hôtel là où on les a déposés. Toute femme qui les a envoûtés, tout homme qui les a envoûtés. Il ne veut plus partir à l'école, il ne veut plus travailler, il ne veut plus rien faire. Il s'occupe des enfants de la femme. Tout projet qu'il avait commencé après lui-même, il a laissé encore seul. Et c'était bien pour lui, il a laissé. Reçois les papiers maintenant, ton frère, ta soeur là. Tu as investi sur eux. Depuis là, ça s'est calé en route. Tu as dépensé l'argent jusqu'à ta paix est venue. Tout fardeau familial que tu portes, je déclare que ces personnes trouvent aussi le travail. Et ça te libère maintenant. Ça te libère. Vos enfants qui sont envoûtés par les femmes là. Vos enfants qui sont envoûtés par les hommes là. Tout membre de ta famille qui est bloqué. Tu as déjà parlé fatigué.
Tu as même prié fatigué. Aujourd'hui, là, nous les détachons. Luc 4, verset 18, 19 et 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui sont en captivité. Je libère tout membre de votre famille que vous appelez ici maintenant. On a essayé de faire leur visa depuis 5 fois. Vous êtes tous seuls là-bas. Vous attendez qu'un membre de votre famille vous rejoigne. Je déclare que ces visas, tout visa que vous avez demandé, on remet ça sur la table des personnes qui dealent avec le visa. Recevez maintenant. Tout membre de votre famille qui est en prison, ils sont bloqués dans la prison injustement, même s'ils avaient fait le mal là justement. Je déclare le changement dans leur cœur. Tu ne vas pas perdre ton fils comme ça. Tu ne perdras pas ton fils pour la drogue. Tu ne perdras pas ton fils pour les mauvaises compagnies. Que vos enfants, vos fils rencontrent des bonnes femmes. Que vos fils rencontrent des bonnes femmes qui vont les aider à grandir. Que vos filles rencontrent des bons hommes qui vont édifier, fortifier. Une dame m'a dit l'autre jour, j'ai fait le direct ici là. J'ai dit que pourquoi tu dois attendre que ton enfant, pourquoi tu dois attendre de mourir avant de donner l'héritage à ton enfant. La femme m'écoute mon direct. Sa fille est mariée, elle a des enfants. Et elle a fait des études de management et elle n'avait pas encore le travail depuis. Le soir là même, elle dit à sa fille, cash, je te donne les parts de l'entreprise, de son entreprise à elle. Et je te donne un boulot de directrice générale. Moi, je suis président directrice générale. Toi, tu es directrice générale. Hein? Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, son mari l'a quitté. Le mari de cet enfant l'a quitté. Oh, tu n'as plus besoin de moi maintenant. Comme ta mère maintenant te donne tout là. Ce n'est pas la sorcellerie ça. Le lendemain, le monsieur l'a quitté. Toute personne qui a attaché ton enfant... Que quand tu donnes même l'argent pour ton enfant, là, c'est lui qui mange. Écoutez bien. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici, là, vos enfants sont en Europe. Tu ne sais pas ce que l'enfant fait là-bas. Nous détachons vos enfants aujourd'hui. Oh! Attendez, pas chercher ma cloche. Parce que ça, ce sont les décrets présidentiels qui doivent mettre la cloche sur ça. Pour Piabbe. Oh, ça. Attendez-moi ici, là. Les démons, là, vous allez voir. Voilà, je suis là. Déclare la libération de vos enfants. Tout membre de votre famille sur qui vous avez investi. Et l'ennemi est venu les détourner. Tu as investi sur tes enfants. Tu as investi sur ton, peu importe qui. Je déclare que ces enfants, ces membres de ta famille sont libérés à cet instant. Parfois, tu es là, tu es même fatigué. Tu as tellement investi. Tu as investi, ça, tu as l'impression que ça part dans un trou. Je libère vos enfants. Toute personne qui est partie, qui a lavé le cerveau de ton enfant n'écoute plus. Je libère ton enfant. Toute prison maritale dans laquelle vos enfants sont, on suce leur énergie, leur argent, tout. Je les libère. Je libère vos enfants. Vos futurs enfants ne souffriront pas. Il n'y aura pas de manque financier. Si leur père a l'argent, ses enfants vont profiter de l'argent de leur père. Si vous-même, vous avez l'argent et vous aurez, vos enfants vont profiter de cet argent. J'enlève le manque générationnel. Vos enfants ne souffriront pas financièrement. Vos enfants ne souffriront pas financièrement. Toute personne ici là que tu es toujours comme si tu mendiais seulement depuis. Tu vas de petit argent à petit argent. Un peu, tu vis au jour le jour.
Tu ne peux même pas. Dès que tu économises un peu l'argent, un petit problème vient. Pam, c'est parti. Tout syndrome de main percée. Je vous en libère. Je vous en libère. Par ces flammes qui sont en train de brûler. Je brûle toute malédiction générationnelle qui fait que vous souffrez dans votre famille. L'argent, on ne garde jamais l'argent. Je vous en libère. 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 Je déclare la protection. Quand vous écoutez ceci, je vous protège. Toute attaque, il y a des esprits avec lesquels vous vous battez. Ça vient de votre famille. Vous-même, vous ne savez pas. Hein? Tu Wanda, ça manque depuis que tu es petit. Tu as grandi dans le manque. Tu es tout dans le manque. Tu ne comprends pas. Dès que tu commences quelque chose, puisqu'on veut te donner un peu l'argent comme ça, là, on donne à tout le monde. Quand ça arrive sur toi, l'argent est bloqué. Tout manque financier qui vient de ta famille. Comme tu écoutes cette parole, tu n'es pas ici par hasard. Vous n'êtes pas sur cette vidéo par hasard. Il y a des choses qui sont en train de sortir de votre corps. Et vos enfants ne connaîtront plus ça. Vos petits-enfants ne connaîtront pas. Sur des générations, vous êtes libérés de tout manque financier, toute malchance. Quand ça ne marche pas, tu dis, ah, je savais, je suis habitué. À partir d'aujourd'hui, plus jamais vous ne manquerez. 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 Je vous sors du manque. Je vous sors du manque. Tout business que tu as commencé, la marchandise est là, tu ne vends pas. Je déclare que cette marchandise, tu la vends à partir d'aujourd'hui. Tu la vends à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui vient troubler toujours tes affaires, troubler tes choses, toi-même tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi. Je déclare que tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. On te voit maintenant. On achète ta marchandise. Que ton dossier au ministère soit débloqué, Célestine. Reçois, 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 reçois. Toute prière que vous entrez formuler dans votre cœur à cet instant, votre jour de libération est là. J'enlève de votre corps tout esprit de ralentissement, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous bloquait. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Les choses sont nouvelles dans votre vie. Les choses sont nouvelles. Vous devenez amnésique. Vous oubliez tout votre passé. Tout ce qui était mauvais dans votre vie là, qui était passé. Je mets de meilleures opportunités pour vous. Un meilleur loyer. Bien situé. Après, c'est toi qui achète même la maison là. Oui, trouvez la maison que vous désirez. Tout ce que, ah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Tu sais, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas encore le crédit pour ça. Mon crédit score n'est pas encore bon. Non, 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 non. Je libère maintenant ton crédit score. Je déclare que ton banquier maintenant voit comment ton argent, tu as le droit de recevoir un crédit. Reçois, reçois. Je vois une personne ici là, tu t'es trop privé. Tu t'es trop privé et tu as été en relation avec un homme dans le passé qui utilisait ton énergie. Et comme il avait le mauvais cœur, il t'a même mis dans les dettes. Homme comme femme, ton partenaire t'a mis dans des dettes. Et depuis que la personne est partie, tu payes les dettes, ça ne finit pas. Tu finis de payer ceci. Le jour où tu dis que, ouf, on se ressort encore avec trois fois plus de dettes, tu dis que, mais c'est quoi ça? Toute personne avec laquelle tu as été, qui t'a déposé son énergie, un liquide dans le corps, tu as conçu des enfants avec cette personne. Et vous avez eu des enfants, ou bien l'enfant était peut-être mort. Mais vous avez cette attache qui fait que c'est encore sur toi. Je te libère. Je te libère. Vois comment tu prends les ciseaux. Imagine une corde entre toi et elle, ou toi et lui. À toi, je vais couper. OK? Toute malchance que tu as pris de tes ex, on va couper ça maintenant. On va couper maintenant.
Quand tu t'es marié avec la personne, ça a gâté ton crédit à la banque. Je coupe ça maintenant. Ok? Voyez cette corde qui vous lie à lui ou à elle. Par la puissance du Saint-Esprit. L'ange Michael vient, il prend les ciseaux. Je coupe maintenant. Je coupe maintenant. Dites maintenant, je te libère. Prononcez le nom de la personne. Je te libère. S'ils sont plusieurs, je vous libère. Vous ne me devez plus rien, je ne vous dois plus rien. Répétez. Tout endroit où mon nom a été sali, dans le spirituel comme dans le physique, à cause de ma relation avec toi, je me libère. Je nettoie, je nettoie, je nettoie mon nom. Je nettoie mon nom, je nettoie. Si tu avais déposé ton dossier à la banque qu'on a rejeté, tu dois, dans quelques jours, maximum une semaine, tu repars leur demander, est-ce que je peux encore mettre mon application? Je coupe tout ce qui avait de négatif, tout voile, toute couverture négative que ce partenaire t'avait donné. J'enlève maintenant. Si tu avais déposé des dettes, demande une injonction ou bien quoi là pour pouvoir payer en plusieurs fois. Je déclare une annulation de dette sur vous. Comme cette corde a été coupée, toute malchance que cette personne portait. Même si vous avez l'enfant ensemble et que ça passe par l'enfant, je déclare à partir d'aujourd'hui que vos conversations ne sont strictement que concernant l'enfant. Et si cette personne ne voulait pas donner d'argent pour l'enfant depuis, que cette personne donne sans te faire de chantage. Sans te faire de chantage. Je vous libère, je vous libère. Comme cette peau tombe, cette peau que cette personne avait mis sur vous. J'enlève les boutons, le voile de laideur, les habits sales que vous aviez. Depuis que tu payes seulement les dettes, si bien que tu n'achètes même plus un habit pour porter. Ta voiture là, c'est gâté, tu ne peux même pas arranger parce que tu payes les dettes. Je vous libère de tout esprit de manque, cette peur de ne pas avoir de l'argent là. Je sors ça de ton ventre. Je sors ça de ton ventre. Tout ce qui te tracasse, qui te préoccupe depuis, tu ne sais pas comment faire. Tout souci que tu as depuis, je te libère de ce souci. Je vois quelqu'un ici, là, tu demandes ton argent depuis là à quelqu'un. Ça te stresse. Tu as le mal d'estomac la nuit parce que la personne ne te donne pas ton argent. Merci, Adama. J'enlève l'impact négatif de cette dette sur toi. Et je commande à cette personne que son prochain agent qui entre, il te paye. S'il ne paye pas, il n'a pas la paix. S'il ne te paye pas, c'est lui maintenant qui n'aura pas la paix. Je restaure ta chance. Je restaure ta chance. Tu étais très chanceuse avant. Tu n'arrêtais que les ministres. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans que tu ne peux plus être. Cette attraction que tu avais avant, je te la redonne. Je te réactive. Qui faisait que tu demandais quelque chose, on te donnait. Je chasse de ton esprit tout rejet. Oh, nous sommes désolés, on ne peut pas. Madame, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Ce ne sera plus jamais ta portion. Ce ne sera plus jamais ta portion. Virginie, reçois ton débarrassement d'esprit de divorce.
Je vous libère de toute dette. Vous-même qui devez à quelqu'un, vous repartez vers la personne. Toute prière négative qu'on a mis à votre égard parce que vous devez à quelqu'un. Je déclare que vous repartez vers cette personne et vous payez. Vous arrangez comment payer en plusieurs fois. Et quand vous sortez l'argent pour payer cette personne, le même jour, l'argent revient dans votre main. La dette, c'est un esprit. Parfois, tu demandes tellement ton argent à quelqu'un que ça bloque ton argent qui est en train de venir. Tellement tu es figé dessus. Tout esprit que tu avais qui faisait que tu te dis, ah, je vais manquer l'argent aujourd'hui. Tout esprit de manque financier qui rôdait sur toi, j'enlève. Sylvie, que tu te maries avec ton blanc, oh. On débloque ce qui était bloqué, oh. Qui t'aime, qui te chérisse. Comme cette flamme est en train de brûler, que ce soit la, ça apporte la prospérité, l'argent, le travail. Beaucoup de business sur le côté. Ceux qui sont dans les mauvais mariages, comme vous demandez, soyez libérés. Recevez la santé de la tête jusqu'aux pieds. Mal de dos, mal au cou, mal au genou, mal d'estomac, mal au ventre, myome, kyste. Ça se décompose, ça sort. Toute larme que vous avez coulée, je sèche vos larmes. Vos enfants qui sont envoûtés, nous les délivrons. Que l'enfant soit obéissant, compréhensif. Nous éloignons les mauvaises personnes du chemin de vos enfants. Toute personne qui manipule votre enfant, toute malédiction que vous avez eue, abus sexuel, abus de ceci, nous déclarons que vos enfants ne connaîtront jamais cela. Vous-même maintenant, j'ouvre vos idées. Que tout projet que tu avais commencé, après tu t'es découragé. Que le Seigneur te montre au-delà de ce que tu avais pensé au départ. Qu'il fasse au-delà de ce que tu as imaginé. Que tu ne manques pas. Je t'ouvre une autre dimension d'argent. Actuellement, là, tu as un plan pour ton argent, non? Ok, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire... Que tout plan d'argent, que toi... Tu ne savais pas, bon, voilà, je peux maximum avoir 300 000 par mois. Je monte cette somme à 30 millions. Que les projets tombent dans ton esprit. Je bénis les dîmes qui sont en train d'être payées à cet instant. Comme tu payes ta dîme, que le Seigneur ouvre tes portes financières. Que les projets au-dessus de ce que toi-même tu avais imaginé te localisent. On parle de vous dans les grandes salles à cet instant. On parle de vous dans les endroits où vous-même vous n'avez pas imaginé. On parle de vous dans les grands lieux. Prière qui est déposée à cet instant, qui est en train de monter au ciel. Que l'ange céleste, ange Michel, ange Gabriel, ange Uriel, ange Raphaël,
et tous les autres anges qu'on a, dont on ne connaît même pas le nom, qu'ils puissent vous l'accorder. Qu'ils portent vos prières, j'ouvre votre vision, vos yeux, que vous puissiez voir combien sont avec vous. J'enlève la panique de votre esprit. J'enlève le manque de votre esprit. Je mets en vous la promptitude. J'enlève la paresse. Cette paresse qui faisait que tu planifies les choses, tu ne fais pas. Je te sors de la lourdeur. La lourdeur, je te libère de la lourdeur. Reçois les idées, agis sur les idées. Reçois les idées, agis sur les idées. Reçois les idées, agis sur les idées. Promptitude, prompte, prompte, prompte. Que votre maison soit une maison de floraison. Une maison où tout germe, ça pousse, ça grandit. Que tout germe dans votre maison. Je bénis vos collaborateurs, les personnes qui veulent travailler avec vous, qui sont appelées à travailler avec vous. Que ces personnes vous localisent. Ceux qui vont investir sur vous, qui vous localisent. Ceux qui vont vous aider à porter le projet, qui vous localisent. Il y a quelqu'un ici là, tu as une agence que tu voulais ouvrir, marketing ou bien télé. Reçois les bonnes personnes, reçois l'argent pour l'équipement, reçois les investisseurs, reçois la sagesse financière pour bien gérer ces projets. J'augmente votre garde-robe. Je viens fournir vos vêtements. Que ces vêtements vous élèvent. Ce soient les vêtements qui vous élèvent, qui vous restaurent. J'arrange vos cheveux, votre peau. Je redonne la beauté sur votre peau. Que tu ne manques jamais d'argent pour t'occuper de tes enfants et de toi-même. Que tout ce que tu avais mis dans la terre qui ne poussait pas depuis. Toute semence que tu as mis, oh Seigneur, je sème ceci pour ça. Le Seigneur se rappelle de tes offrandes. Qui se rappelle de tes aumônes. Qui se rappelle de ton service. Qui se rappelle de ta volonté. Je déclare que c'est un nouveau jour pour toi aujourd'hui. J'enlève les blocages. J'enlève les ralentissements. Je déclare que tes projets avancent. Je déclare que tes projets avancent. Toute personne à côté de toi qui t'escroquait. J'éloigne les escrocs d'à côté de toi. Les mauvais conseillers. J'éloigne les mauvais conseillers à côté de toi. La kasha karababo sikata. Les robots sokota. Toute personne qui est en concurrence avec toi depuis. Tu vis ta vie. Mais la personne vient tout te montrer que je te vois. Je te vois. Hein, je vois ce que tu fais. Alors que tu n'es même pas par rapport à la personne. Je vous libère, je vous libère. Vous ne manquerez pas. Vous ne manquerez pas. Je déclare que vous avez un esprit prospère. Votre esprit est prospère. Tout se passe dans ton esprit. Tout se passe dans ta vision. Dès que tu vois et que tu peux parler, personne ne peut venir te décourager dessus. J'ouvre ta gorge. Toute personne à côté de toi qui t'empêche souvent de parler. Dès que tu vois la personne, tu dis, tu n'as plus le courage de dire que non, on sera la plus grande entreprise de l'Afrique centrale. On sera la plus grande entreprise d'Afrique. On sera, c'est comme si ta bouche se fermait. Je te donne le courage aujourd'hui pour parler. Je libère ta gorge. Comme tu bouges, tu te lèves, tu bouges.
Le Seigneur lui-même descend pour te rencontrer. Comme David s'est levé, il est allé avec Goliath. Oui. Peu importe ce que tu as dans ta main, que tu simplifies. Ça se transforme en un bulldozer et ça écrase maintenant le Goliath qui te dérangeait. Ne regardez pas seulement l'augmentation de salaire. Dieu peut vous bénir par 100 millions de façons. Dieu n'a pas besoin de... Dieu m'enseignait ça hier, que c'est toujours là où tu... Oh, vraiment, qui va me donner? Il n'y a que mon patron. J'ouvre votre esprit pour qu'on vous donne de tous les côtés. J'ouvre ta vision. Qu'on te donne même là où tu n'avais jamais pensé. Du coup, tu seras choqué que c'est pour moi. Il dit oui. Je vais te donner ça depuis 12 mois. Ça fait un an que je pensais à te donner, mais je ne sais pas, j'oubliais toujours. Si vous saviez ce que Dieu veut vous donner, que Seigneur, bénis-moi, mais seulement à travers mon patron. Hein. Bénis-moi, mais seulement à travers un. J'enlève les limites, j'enlève. Univers, bénis ces personnes qui m'écoutent. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas en train d'écouter ceci par hasard. Univers, bénis les personnes qui écoutent ceci. Que comme ma parole touche ton oreille, que ça déclenche en toi la puissance qu'il reçoit de tout canaux financier. Tu as besoin d'argent pour payer ton visa ou bien pour payer ton billet d'avion. Reçois cet argent. Laissez Dieu vous guider. Ce n'est pas par un canal précis que non, ouais, aide-moi tonton parce que tonton ne donne pas, tu te fâches. Oh Dieu, donc tu m'as oublié. Oh, laissez Dieu vous surprendre. Dites ici là, Seigneur, surprends-moi positivement. Surprends-moi avec une augmentation financière positive. Allez, on doit être spécifique. Seigneur, surprends-moi avec un 2 millions là. Oui, d'ici la fin du mois. Surprends-moi positivement, financièrement. Précisez bien. Quelqu'un peut venir te donner un régime de plantain. Oh, voilà ta surprise. Quand ils voient souvent comment vous dites vos prières, je comprends pourquoi vos choses ne marchent pas. Voilà l'autre que je reçois mon petit restaurant. Petit restaurant. Et qui est? Petit ceci, petit cela. Hein? Jesus. Jesus, pourquoi vous faites ça? Je vous connecte aux sources de revenus qui sont sans mots de tête. Oui, voilà, le monsieur s'il m'a dit que, voilà, et puis il m'a donné 2 millions, hein. Oui, voici ça. Il m'a dit qu'il ne sait même pas pourquoi il veut m'aider, mais il veut m'aider. Et j'ai demandé que je rembourse quand il a dit que non, ça ne te dérange pas. Recevez vos chèques à la poste. Tax return. Madame, vous avez trop payé, 1 500 $. Prenez. Nous avons regardé dans nos comptes et puis voilà, nous vous remboursons cette somme de 5 000 $. Oui. Ça fait 3 ans qu'on devait vous payer 500 € par mois. Vraiment, nous avons fait le rappel. Recevez 50 000 €. Recevez. Ting, 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 voilà une bonne nouvelle que quelqu'un a de recevoir là. Ça arrive. Ça arrive. Continue de dire que ton bar ne marche pas, non, chérie. Tu veux quoi? Comme tu as dit que ça ne marche pas, je ne peux que m'accorder avec toi.
Tu ne veux pas recevoir 50 000 dollars d'abord. Tu demandes 50 millions de dollars. Vous-même là, hein? Seigneur Jésus. Donc, quand tu prononces la somme là, ça ne te fait pas mal au ventre. Demande la grossesse, tu demandes l'argent pour t'occuper de ton enfant. Hein? Tu demandes la grossesse comme ça, là, la période là, tu n'as pas l'argent. Tout ce que vous demandez à Dieu, mettez l'argent dedans. Peu importe, Dieu te donne le visa, tu n'as pas l'argent pour payer le billet, tu fais comment? Dans toutes vos prières, tu peux demander l'augmentation, la promotion au travail. On te donne la promotion, on ne donne pas l'augmentation financière. Restez là-bas, vous blaguez. Oui, on m'a promu, mais j'attends encore. On est... depuis que moi j'ai attrapé ce secret-là, je ne blague pas dans mes prières. Tous vos enfants qui cherchent le travail, là, recevez. Avec augmentation financière, bien sûr. Je déclare que vous êtes abondant. Vous êtes abondant. Recevez l'argent pour finaliser vos projets. Vini. Reçois l'argent pour ouvrir tes champs. Vous devez avoir mis le projet sur pied et connaître de quelle somme vous avez besoin. Votre problème, c'est que vous voulez dire, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Si tu me donnes aujourd'hui, il y a des sommes que si tu me donnes, je vais dépenser en une journée. Parce que c'est à ce qu'il faut avec. Mon plan est chassé. J'enlève les peurs. Peur de manquer financièrement. La peur du manque, j'enlève ça de ton esprit. Peur du manque. Vous êtes l'enfant de Dieu et Dieu s'occupe de vous. C'est ça que les pères africains souvent ne montrent pas l'exemple de s'occuper d'un enfant. Tu es la fille de Dieu. Dis papa, elle a dit que tu es ma fille, tu es mon père. Bon papa, j'ai besoin de ça. Papa, je veux la voiture. Papa, je veux la voiture. Papa, je veux telle chose. Ashley, que Dieu se souvienne de toi. Pourquoi? Tu as besoin de quoi? Vous, quand vous venez à Dieu, c'est comme si tu pars au magasin, tu dis, tu veux quoi? Je peux prier pour toi et que toi-même, tu ne connais pas. Louise, reçois tes 4,5 millions pour rembourser ta dette. Et que tu sois en abondance financière après cela. Patricia, reçois les 50 000 euros que tu as demandé. Tu veux sortir des dettes. Les dettes, c'est combien? Pour sortir des dettes, vous devez combien, connaître combien vous devez aux gens. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de manquer. Je déclare que tu ne reçois plus l'argent une fois par mois. Ton argent entre maintenant une fois par jour, 10 fois par jour, 24 fois par jour. C'est-à-dire toutes les heures, tu as un virement. Et quand ils oublient une heure, la prochaine heure, c'est deux virements. Je mets sur vous l'éveil. Je vous réveille. Yana Isla, vous êtes endormi. Vous avez fui les gens à qui vous devez. Vous avez fui vos responsabilités. Vous ne connaissez pas combien vous devez. Vous ne savez rien. Reprenez votre envie en main. Repartez faire votre credit score. Repartez voir que, ok, je suis à quel niveau financièrement. Checkez. Que cet esprit de peur de parler d'argent la sorte de votre corps aujourd'hui. Je vous libère de l'esprit qui fait que vous fuyez. Toute liste noire sur laquelle vous aimez rester tout le temps. Je vous libère. Reçois ton travail dans la banque centrale. Ceux qui ont les boutiques, ton argent ne doit pas venir seulement à travers cette boutique. Que Dieu te montre d'autres canaux par lesquels tu peux te faire de l'argent. La boutique entre en abondance et ailleurs aussi, ça entre en abondance.
que tu puisses payer tes employés, que tu puisses payer tes loyers. Reçois les 10 000 euros pour ouvrir l'entreprise. Que vous ne fuyez pas. Payez vos employés à temps. Recevez l'argent. Je déclare sur vous la bonne gestion financière. Quand l'argent vient, tu ne prends pas seulement pour faire ce que toi tu veux. Tu manges l'argent. Après, quand il faut payer le loyer, tu n'arrives pas. Tu peux payer les employés, tu n'arrives pas. Je déclare sur vous une lucidité mentale, une sagesse financière. J'enlève la confusion sur vous. Je vous connais. Quand tu veux 1 milliard, on connaît quelqu'un que tu ne connais même pas. Financièrement, tu n'es au courant de rien. Quand tu demandes 1 milliard, sûrement ton salaire c'est 50 000 francs CFA. Tu veux 1 milliard. Et sûrement tu as les dettes. Je mets en vous la sagesse. Que vous soyez sage. Que vous sachiez gérer l'argent que vous avez. On ne vient pas à Dieu seulement pour mettre la tête dans le sable. On fuit ses responsabilités. Que le Seigneur vous donne la force pour vous mettre devant vos responsabilités et les affronter. Certains ici, là, vous vendez les produits moins chers. Vous n'avez pas de bénéfices et vous avez les responsabilités. Seulement pourquoi on disait que tu as le magasin? S'il faut mettre le bon prix sur tes choses. Et j'appelle les clients, les bons clients. Les bons clients qui vont valoriser ce que tu fais. Et je regarde que toi-même, tu te valorises. Tu apportes de la valeur aux gens. Et cette valeur que tu apportes, on te le redonne en échange financier. Je ne suis pas ici pour aider quelqu'un, je suis là pour prier. Donc quittez avec ça. Vous avez toujours l'esprit de manque. Aide-moi, aide-moi. Pourquoi vous faites ça? La douce reçoit ta bénédiction, que tu puisses mieux gérer tes bénédictions. On t'a chassé du travail et tu viens te plaindre maintenant que quoi? La prière, ce n'est pas un espace de plainte. Tu vois ce que tu veux, tu déclares. Tu vois tes défauts, tu dis, bon, je reçois maintenant ça. Beaucoup d'entre vous, dans les finances, vous n'aimez pas parler d'argent. Vous n'aimez pas. Dès qu'on peut parler de tout, dès qu'on dit argent, là, non, vous êtes parti. Que le Seigneur vous donne la force, l'énergie spirituelle et physique pour faire face à vos dettes, pour voir exactement combien vous devez, pour voir votre credit score, pour vous organiser, pour rembourser progressivement. Progressivement. Tant que je n'ai pas 5 millions, je ne vais pas rembourser le monsieur-ci. Comment ça lui donner 50 000 au mois? J'enlève la peur, peur d'aborder les gens à qui vous devez. Recevez, recevez. La sagesse financière. Il y a les sommes d'argent que si on vous donne aujourd'hui, dans un mois, tu ne peux pas dire ce que tu as fait avec. Je vous libère de l'esprit qui fait que vous voulez impressionner les gens. Tu vas faire les dépenses qui sont inutiles. Je restaure votre esprit de finance. Que vous ne soyez pas dépensier. Nous restaurons les oreilles louées de ta sœur Myriam. Le secret pour payer ses dettes, commence à payer. Commence à payer. Dieu va venir te pousser pour que tu finisses. Beaucoup d'entre vous, vous fuyez les gens à qui vous devez. Dès qu'on envoie la lettre, tu déchires. On envoie la lettre, tu déchires. À partir d'aujourd'hui, tu vas les appeler. C'est toi-même qui vas les appeler. Je vous libère de cet esprit de fuite. Vous faites face à vos responsabilités. Le loyer, vous ne fuyez plus le bailleur. Et vous vivez en dessous de vos moyens.
Recevez cette onction pour vivre en dessous de vos moyens et planifier vos finances. Je suis sûr qu'au moins 90% d'entre vous, là, vous fuyez énormément. Ne prenez pas d'engagement que vous ne pouvez pas respecter. Ne faites pas les promesses que vous ne pouvez pas respecter. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre tête soit levée. Vous repartez vers vos créanciers. Vous organisez. Et vous n'avez pas peur. Dans les conversations, vous parlez. Vous dites ce que vous avez. J'enlève la peur, la peur, la peur, la peur. Cet esprit qui fait que vous vous retrouvez sur les listes rouges, les listes noires. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te rappeler que c'était tel le 4 avril. C'était le jour où j'ai pris mon futur financier en main. Quand ton aspect financier est résolu, je peux dire que 80% de ta vie est résolue. Quand tu apprends à gérer tes finances, et c'est ce que vous recevez aujourd'hui. C'est ce que vous recevez aujourd'hui. Que votre famille ne soit pas toujours là pour sucer. Il y en a ici là qu'au lieu de rembourser vos dettes, vous donnez l'argent à votre famille. Parce qu'ils vous font du chantage émotionnel. Quand tu touches l'argent dans ta main, que tu sois rationnel et que tu ne te mettes pas dans un gouffre, qu'après tu vas dire Seigneur aide-moi, alors que toi-même tu aurais pu réfléchir sur ça. Recevez la sagesse financière spirituelle. Trou dans lequel tu as été, je te sors de là et tu agis de façon claire, de façon rationnelle. Tout esprit familial d'endettement, de boisson qui fait que tu es ivrogne. Tu peux faire boire, manger ton argent. Cette sagesse qui entre dans vous aujourd'hui, ça ne disparaîtra plus, ça ne partira plus. Que ce soit un amoureux, que ce soit un membre de ta famille, un patron, personne ne viendra plus te faire être irrationnel. Tu portes tout ton argent, tu donnes à la personne. Et après, tu pleures. Tout endettement générationnel, tu en es libéré. Pour les femmes ici, recevez la force émotionnelle et spirituelle. Il déclare que tu es la plus sage de ta famille. Tu raisonnes les autres.
Je vous libère des fardeaux financiers. Fardeaux financiers des autres personnes. Que vous puissiez garder pour investir sur vous-même. Cette stabilité que tu viens de recevoir, ça ne te quittera plus. Cette stabilité que tu as reçue aujourd'hui, ça ne quittera plus. Tu es clair. Tu n'es pas influençable. Tu reçois ta force mentale. Tu planifies, tu acquiers tes maisons. Tu reçois la sagesse de business. Reçois la sagesse de business. Si tu arrives à mieux gérer ton argent, tu pourras mieux investir. Reçois la vision pour voir dans les projets. Reçois la vision pour voir. Quand tu vois un truc, tu peux voir si c'est lucratif ou pas. On ne va pas venir t'embrouiller, tu sors ton argent, après ça, tu n'as pas le retour. Recevez la force sur votre esprit. Oui, accepte tes dons. Et que tu puisses en vivre. Qu'en retour de ces dons que tu acceptes, que tu reçoives de l'argent. Vous recevez la sagesse d'investissement. La vision d'investissement. Quand tu vois, tu connais ce qu'il va donner. J'enlève le voile qui couvrait avant. Tes yeux. Je déclare que tu deviens maintenant un titan financier. Tu deviens un géant financier. La fondation que tu es en train de mettre aujourd'hui, cette fondation grandit. La semence que tu mets aujourd'hui en terre, ça grandit pour que tu aies la sagesse financière. Certaines de vos maladies, c'est parce que vous n'avez pas l'argent. Hein? Quand vous parlez d'argent, vous faites que de tourner. Hein? Tu stresses la nuit. Tu as les boutons sur le visage parce que tu n'as pas l'argent pour aller faire les soins du visage. Tu n'as pas l'argent pour acheter l'huile qui est bien. La base. Aïe. Recevez l'argent dont vous avez besoin. Finance. Recevez. Recevez les finances dont vous avez besoin. Que pour tes idées, tu reçoives de l'argent en échange. Toute personne qui venait à côté de toi pour te présenter son projet. Et en échange, il volait ton énergie, pas avec. Elle a dit ça, ça, ça. Et dès que tu reçois
la libération de cette personne et ton argent en retour. Dans le spirituel, j'appelle toute personne chez qui tu as investi ton temps, ton énergie, même s'il ne t'a pas récompensé financièrement. Nous venons maintenant à la banque spirituelle et on dépose ça. On dit voilà, elle a travaillé tel nombre de temps ici, elle a aidé telle personne à construire son business, elle a fait telle chose, ça mérite une rémunération. Soyez maintenant payés dans les jours qui arrivent. Tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, tout ce dont vous avez été débarrassé et libéré, ça ne reviendra plus jamais en vous. Ça ne reviendra plus. Ça n'a plus le droit de revenir chez vous. Voilà. Quand tu étais petit, tu étais la plus intelligente de ta classe. Aujourd'hui, tu es en train de vendre les petits trucs pour t'en sortir. Je viens inverser les choses. Toute personne qui a pris ta vie et qui est en train de la vivre à ta place. Je restaure ta vie de prospérité que tu étais censé avoir. Tes enfants ne connaîtront pas la souffrance. Ils ne passeront pas par le même chemin de souffrance que tu as connu. Ils iront dans les meilleures écoles. Toi-même, tu as fini ta formation que tu avais commencé, tu as arrêté. Voilà. Si vous pouvez, vous allez mieux bouger aussi chez vous là-bas. Je vous sors de la souffrance financière. Je vous sors de toute souffrance. Vous êtes restauré à partir d'aujourd'hui. Ainsi soit-il. Léo, oui. Quand tu ressens des comme ça, ça veut dire que ton esprit est prêt. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Ceux qui doivent faire une offrande pour cette prière, pour sceller ce qu'eux, ils ont demandé et ils ont reçu, vous le faites. Les numéros sont sur la page. Orange Money, PayPal, Orange du Cameroun, Orange de la Côte d'Ivoire. Voilà. Plus 237, 655. Parlez sur vos offrandes, je vous en prie. Parlez dessus. Que la puissance dans ton cœur, là, ce que tu sens dans ta poitrine qui est en train de chauffer là. Fâche-toi avant de donner cette offrande-ci, si tu vas la donner. Beaucoup d'entre vous, vous faites toutes des prières qui sont aveugles. Et j'espère que tout ce que j'ai dit, cela, je vais laisser ça sur la page. Vous allez réécouter. On ne prie pas seulement comme ça au hasard, comme un fou. Bénis-moi, bénis-moi. Comment? Qui te bénit comment? Voilà. Et les finances ne fonctionnent pas sans semences. Cash, je vous dis moi seulement. Les finances ne fonctionnent pas et ne grandissent pas sans semences. Voilà. Le numéro Orange Money du Cameroun, c'est le 237 655 31 07 50. 237 655 31 07 50. Pour la Côte d'Ivoire, 225 07 79 02 52 05. Si seulement je pouvais vous faire comprendre ça. On ne pleure pas devant Dieu. Oh, Seigneur. Oh, 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 oh. Les pasteurs vous ont fait quelque chose. Hein. Les pasteurs vous ont fait... Ils ne vous rendent pas service, je vous assure. Dieu ne réagit pas aux pleurs.
Tu dois connaître ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Tu sèmes ta semence. Et quand tu finis de semer, tu te lèves, tu pars. Tu agis sachant que Dieu m'a donné ce que j'ai demandé. Seigneur, j'ai mal. Ok. Oh, la puissance de la foi. La puissance de la foi. La puissance de la foi. Tu restes comme ça là, tu sens en toi comment l'énergie bouge. La parole qui va sortir de ta bouche là, que je reçois ça, c'est une flèche que tu es en train d'envoyer au camp de l'ennemi. C'est un ordre que tu es en train de donner à tes anges. On ne parle pas beaucoup. On ne prie pas beaucoup. Ce n'est pas les 3 heures de prière. Si c'était les 3 heures de prière qui rendaient riche, ce que tu serais déjà milliardaire. À bon entendre, salut. Moi, je dis seulement ma chose. Celui qui veut écouter, qu'il écoute. Ok. Orange de la Côte d'Ivoire, c'est le 0779. 0252 05. Move Money, c'est le... Move Money d'Abidjan. À partir du Bénin, Togo, Mali, vous pouvez envoyer là-dessus. 225... 01 50 27 71 71. Ce ne sont pas seulement vos paroles qui vous libèrent. Sinon, tout le monde serait libéré. Moi, vous avez le jour où ma vie de prière a changé, j'étais à Winners Chapel, à la chapelle des vainqueurs. Et là-bas, pasteur Bishop David Théodepo ne blague pas, que le Seigneur le bénisse. Il vous dit toujours cash. Si c'était. Seigneur. Si tu fais, tu ne sèmes pas, tu vas attendre longtemps. Supposons, voilà ma plante là-bas, voilà ma plante. Ça, c'est un arbre d'argent. Voilà l'une des plantes que vous devez avoir chez vous en passant. Donc, vous voyez cet arbre aussi là, non? Si j'avais pris la terre, je mets la terre dans mon seau. Je ne mets pas de semences. Maître spirituel, bonjour. Oui. Donc, tu penses que tu vas venir mettre ton numéro dans mon direct, les gens vont te contacter. Ok, continue. Je ne vais même pas te bloquer. Donc, voilà. Si vous pensez que je prenais cette plante-ci là, je mets la terre dans le seau et je ne mets pas de semences. 5 ans plus tard, il n'y aura rien dans ce seau. Écoutez-moi bien. 5 ans plus tard, il n'y aurait rien dans ce seau. Ça, c'est la vie. Même pour t'enceinter, on a dû venir mettre le sperme dans ton corps. À bon entendeur. On ne vous enseigne pas bien. On ne vous enseigne pas bien. Parce que les gens ont peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je vous dis ce qui va vous aider. Voilà. Et si je parle moi-même, je ne sème pas. Je vais lire. Si je vous enseigne moi-même, je ne sème pas. Mes choses ne vont pas bouger. Voilà. I hope it is very clear. The volume is clear. Contact Momo du Bénin. Est-ce que je vais même trouver ça? Je crois que mes filles ont ça. Donnez-moi le numéro MTN du Bénin, s'il vous plaît. Ok, le numéro du Bénin, c'est le 97 76 42 26. 97 76 42 26. Et c'est le nom Jocelyne qui va apparaître. Anyway, they don't fight to. They don't know, they already know. They don't know, they don't know. Le numéro du Cameroun, Olga Mavungu. Donc tu me connais depuis là, tu n'as jamais payé ta dîme chez moi. Et te voilà me dire depuis là 6 mois. Ma yonga. Move Money. Pour quel pays? Pour la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est le 0-225-01-50-27-71-71.
À partir du Bénin, vous pouvez envoyer ça ici. Et le moment de s'aimer, c'est quand ton énergie est pleine. Donc, tu sens que je suis chargée. Donc, tu le sens que non. Là où je suis, là, mon énergie est déjà... Donc, c'est bon. Voilà. C'est là que tu relâches ta prière. Ta prière et ton offrande. Ça, ce n'est pas mon... 58, là, n'est pas mon numéro. La tête te bloque. Oh. Les scammers, hein. Je suis fatigué de vous. Airtel Money du Gabon est sur le dessus là-bas. C'est 241-074-18-0080. Le numéro que vous avez mis sur Facebook là à mon équipe, le numéro du Gabon. Les Béninois, mon frère. Hey, quel est ton Bénin? Tu as mal au bas-ventre. Le numéro du Cameroun, c'est le 237-655-31-0750. Okay. Bon, je bénis vos prières que vous avez émises, ceux qui se sont accordés avec moi. Bonjour madame, je suppose que vous ne suivez pas mes directs. J'ai dit que je ne faisais plus de lecture de cartes privées. S'il vous plaît, donnez un numéro par lequel on peut vous rembourser. Nous sommes dans une ère où la différence sera très visible entre ceux qui sont spirituels. Oui, on a reçu sur WhatsApp. Ceux qui sont spirituels et qui se connectent à leur puissance à l'intérieur. Et ceux qui sont seulement en train de parler. Orange Money du Burkina. Pourquoi vous ne pouvez pas envoyer à partir du Burkina, s'il vous plaît? PayPal, c'est aurelie_michel2017@gmail.com. Oui, la semence du Bénin. Je bénis ton offrande du Bénin. aurelie_michel2017@gmail.com. Ça, c'est pour le... PayPal. Numéro du Cameroun, c'est le 237-655-310750. Et le nom, c'est Abbé Solo.
Parfois, quand ils voient vos choses, que souviens-toi de ma mère qui a le cancer mystique, qui a révélé à ta fille. Ton histoire est très compliquée, ma chérie. Je n'ai même pas parlé dessus. Reçois ce que tu as demandé. Souvent, vous avez les maladies que vous-même, là, vous avez. C'est trop tordu. Votre esprit. Les maladies que vous avez souvent, là. Hein, que vous-même, là, vous avez trop mis par vos croyances bizarres. C'est tordu. Ok, j'ai terminé avec vous. Celui qui va écouter, c'est sur Facebook, cette vidéo va rester après. Donc vous pourrez regarder et faire vos offrandes. Ok. Et surtout, quand vous vous accordez, on a adressé l'esprit de manque financier ici.